Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo parce que pour être honnête, il y a quelques temps de ça, je vous en ai tourné plusieurs. Elles vont arriver, ne vous inquiétez pas, j'ai passé du temps à les tourner donc j'aimerais quand même que vous les voyez. Mais en fait, on arrive à la fin du mois de février, là on est à quelques jours de la fin du mois. Et du coup, du Cold Winter Challenge, vu que ça fonctionne très bien en ce moment sur moi, parce que pour être honnête, je vous ferai le bilan. Mais en gros, j'ai lu plus de 10 bouquins, donc clairement ça a marché, donc j'ai envie de continuer comme ça. J'en avais jamais entendu parler avant. C'est le Blossom Spring Challenge qui se présente exactement comme le Pumpkin et le Cold Winter Challenge. Je vais faire une pile à lire. Bon, on sait très clairement et vous le verrez dans mon bilan du Cold Winter Challenge que bon, la pile à lire, c'est plus ou moins relatif comment je la respecte, puisque si on reste honnête, je pense que je dois être à 20% de ce que j'avais prévu de lire pour le Cold Winter, mais bon, c'est pas grave. Pour tout ce qui est règlement, etc., franchement, alors c'est la même base que les autres challenges, c'est des menus avec des sous-catégories qu'il faut valider. Pour les détails, je vous laisserai tous les liens utiles si ça vous intéresse, allez checker ça. Je me suis basé surtout sur des livres que j'avais vraiment envie de lire en ce moment. Alors bon, les choses ont le temps de changer puisque ça dure 3 mois, du 1er mars au 31 mai. Du coup, je me suis débrouillé pour les faire entrer dans les cases. Sachant que si, il y a une petite subtilité, mais j'ai failli m'en servir, mais non. Elles ont appelé ça le bingo. C'est une grille de thèmes aléatoires et en fait, s'il y a un des thèmes des menus qui nous plaît pas, on peut l'enlever et remplacer par un de ces thèmes de cette grille. Je sais pas si j'ai été clair. De toute façon, moi je m'en suis pas servi parce que finalement j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait, où il fallait, bref. Et donc le premier menu c'est printemps florissant et la première sous-catégorie c'est un champ de jonquilles pour Sandra. Ici, les mots-clés, c'est histoire se déroulant au printemps et couverture fleurie. Et donc ici, c'était relativement évident pour moi. J'ai décidé de prendre Felix Ever After de Kaysen Callender, simplement parce qu'il y a plein de fleurs sur cette couverture. Un roman dont j'ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment Bookstagram. Clairement, je veux le lire, j'ai très hâte. Après, je vous avoue qu'en ce moment, et c'est vraiment très très bizarre, parce que ça me correspond absolument pas. Je suis pas très contemporain en ce moment. Je suis plutôt fantasy, un peu surnaturel, dystopie, vous voyez. C'est bizarre parce que ça m'est jamais arrivé. Mais bon, voilà, hein, on découvre toute sa vie. Et là, en ce moment, bah voilà, je découvre une nouvelle lubie. Mais j'ai quand même très très envie de lire ce roman parce que voilà, parce que inclusivité, parce que diversité et parce que je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. On n'en sait jamais assez. Et là, je pense clairement qu'il y a beaucoup de choses dont je ne sais pas, et ça va être très intéressant de découvrir ce roman. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, le jardin des secrets. Ici, on va parler romance, intrigue familiale, secret, trahison, drame. Et là, genre, mais c'est le livre qui va dans cette sous-catégorie. J'ai décidé de prendre Inheritance Game de Jennifer Lynn Barners, édité chez PKJ. Donc ça, c'est un bouquin qui vient de sortir, et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui va se retrouver sur un testament de quelqu'un qu'elle a jamais connu. Elle va hériter d'une fortune astronomique et tous les autres véritables héritiers vont se retrouver sans rien. Donc secrets familiaux, vous voyez tout ça. Et du coup, il y a tout un mystère autour de ça et il va y avoir des enquêtes, enfin des énigmes à résoudre pour comprendre pourquoi elle a touché toute la thune et que tout le reste de la famille n'a rien touché alors que elle est absolument pas dans la famille. Bref. Ensuite, on passe sous catégorie mauvaises herbes. Le mot clé c'est entre guillemets mauvais genre. J'ai un peu de mal, je vous avoue. Là pour le coup je suis pas hyper ok avec ce qui a été mis. En gros c'est écrit mauvais genre entre parenthèses SFFF policier graphique. Et en fait pour moi ça fait vraiment genre comme s'il y avait des mauvais genres. En fait il n'y a pas de mauvais genre, chacun fait ce qu'il veut et chacun apprécie ce qu'il a envie de lire. J'avoue que ça m'a un peu fait tiquer cette sous-catégorie. Donc bon, je me suis quand même basé sur mauvaise graine, vous voyez tout ça, mauvais genre, mauvaise graine. Et du coup j'ai décidé de mettre la carte des confins de Marie Replin. Marie que vous connaissez certainement sous le pseudo Muffins and Books. Donc là c'est édité chez PKJ aussi. Et en fait pourquoi mauvaise graine? Parce que Kaylee, donc le personnage principal, c'est une voleuse hors pair. Voilà, tout simplement. C'est un voleur, mauvaise graine. Je suis pas allé chercher plus loin, ça rentre très bien. Je préfère ce genre d'interprétation. Le seul truc que j'ai peur c'est que d'ailleurs j'en ai parlé dans mes j'ai fait un TikTok là-dessus. D'ailleurs si vous me suivez pas sur TikTok, je vous invite vraiment à y aller parce que en ce moment je suis au taquet, je poste un TikTok tous les jours. Voilà, je suis vraiment au taquet, je suis à fond dessus. Si j'étais absent sur YouTube, j'étais hyper présent et je le suis encore sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous avez un compte. Du coup j'expliquais que en gros c'est quand t'attends trop longtemps pour lire une suite, tu te souviens plus de certains personnages et du coup t'es obligé de tout relire. Si je lis ce premier tome et que je lis pas le tome 2 tout de suite et que le tome 3 est pas encore sorti, j'ai peur d'en oublier en chemin. Mais bon, on va tenter et puis on verra bien.
Ensuite, deuxième menu escapade printanière. Et la première sous-catégorie, c'est clip, clap, clip, pluie d'avril. Les mots-clés, c'est jeunesse, réécriture ou relecture. Bon alors, comme d'habitude, avec les mots-clés jeunesse, j'en tiens jamais compte parce que clairement, je lis que de la jeunesse et du young adulte. Du coup, c'est pas hyper pertinent pour moi. Mais là, j'ai décidé de me baser sur le mot relecture puisque je suis à fond dans le mood là depuis le début de l'année, terminer mes sagas, avancer là-dessus, les commencer et les terminer, enfin voilà, vraiment j'ai décidé de m'attaquer aux sagas, un peu inconsciemment, hein, mais du coup j'ai envie de continuer dans la foulée. Et il y a une saga, une trilogie que j'aime d'amour mais dont je n'ai jamais lu le dernier tome, et en fait là du coup vous allez voir tout ce menu, il va intégrer tout cette trilogie, donc en fait j'ai un menu dédié à cette trilogie. On va arrêter de blablater plus longtemps, du coup ça va être La Faucheuse que j'ai envie de relire. Alors je l'ai déjà relu l'année dernière dans l'objectif de finir cette saga, donc là va vraiment falloir que je m'y remette. Donc je me souviens globalement très bien du premier tome puisque ma relecture elle date d'il y a peut-être 6 mois, peut-être un peu plus, mais voilà quoi, c'est quand même assez frais. Voilà pour ce clip clip clap clap puits d'avril. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est l'éveil de la nature, et les mots-clés, c'est anticipation, écologie, environnement et nature writing. Et bon, clairement, on sait très bien qu'avec le tome 2 de La Faucheuse, comme toute la saga, on est vraiment sur l'anticipation, puisqu'il s'agit de notre monde dans le futur où la mort n'existe plus. Relecture du tome 2, parfait, anticipation, ça marche à fond. Et bon, sans surprise, vous savez très bien quel tome je vais vous présenter pour la dernière sous-catégorie, qui est Voyage au Craignadune. Je vous avoue qu'avec la police d'écriture j'ai un peu de mal à le lire, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et les mots clés, c'est histoire se déroulant à une autre époque, voyage dans le temps. Clairement, si on est dans l'anticipation, on est forcément à une autre époque de notre vie, donc on est dedans aussi. Et donc là je vais m'attaquer à cette bricasse, si vous voulez la vérité, et je pense que c'est comme toutes ces sagas que j'adore très très fort, si je l'ai toujours pas lu, c'est parce que j'ai peur de quitter ces... enfin j'ai pas envie de quitter ces univers là. J'ai d'ailleurs fait aussi un TikTok là dessus voilà, si vous avez compris, allez me voir sur TikTok, j'espère que ça vous fera rire autant que moi ça m'éclate de faire des TikTok, mais bon bref, j'ai toujours pas fini La Faucheuse parce que vraiment j'ai pas envie de quitter cet univers, j'ai pas envie que ça se termine. Il faut bien avancer, j'ai trop de livres dans ma pile à lire, donc si je commence comme ça en fait j'arrête de lire, hein, parce que bon, à partir du moment où c'est un coup de cœur, on sait qu'on va être triste quand on va sortir du bouquin. Mais voilà, du coup le glas, je veux le lire pendant ce challenge. Ensuite, on passe au troisième menu qui est Lapin de Pâques. Et le premier, c'est le pudding à l'arsenic. C'est plutôt sympa comme truc, hein. Les mots-clés, c'est cozy, mystery, policier et thriller, page turner. Alors, je vous avoue que tout ce qui est policier, thriller et compagnie, j'en ai fait un TikTok. Allez, sérieux, j'arrête avec ça. Voilà, tout ce qui est policier, thriller et compagnie, je sais pas du tout mon délire. J'en lis très très peu, voire pas du tout, hein, clairement. Et page turner, pour moi, qualifier un roman de page turner, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, on s'en rend compte qu'une fois qu'on l'a lu, donc vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me suis fié plutôt à un auteur que j'ai déjà lu et où je sais que ce que j'ai lu, c'était qualifié de page turner et où c'est un auteur, de façon générale, on sait qu'il a une plume efficace. Je parle bien évidemment de Victor Dixen, et donc je vais lire Cogito de Victor Dixen, édité dans la collection R. Pourquoi ? Parce que pour moi, je pense que c'est un page-turner. Je ne vais pas m'avancer, je ne l'ai toujours pas lu. Mais je sais très bien qu'avec Fosbo, c'était hyper efficace. En plus, ici, on est vraiment dans le même univers. Enfin, c'est un spin-off. Ça n'a rien à voir avec Fosbo, visiblement, mais c'est un spin-off. Ce que j'aime bien, c'est que globalement, les chapitres sont relativement courts dans ces bouquins, et je pense que c'est ça aussi qui donne un certain rythme. Bref, du coup, je vais enfin découvrir ce que ça donne, parce que ce livre commence à traîner depuis un petit moment dans la pile à lire. Ensuite, le deuxième mot-clé, c'est chasse aux œufs. Et ici, il faut lire soit un livre de moins de 250 pages, soit un livre de plus de 500 pages. Alors, je vous avoue, j'ai plus de petits bouquins que de pavés, hein, n'est-ce pas, dans ma pile à lire. Du coup, j'ai décidé de m'orienter sur le petit bouquin. Et ici, j'ai décidé de mettre Dans le désordre de Marion Brunet, édité chez Sarbacane dans la collection Exprime. Il fait, alors pour être tout à fait honnête, il fait 250 pages. Et en fait, il fait 251 pages. Mais la 251e, il n'y a que ça dessus. Donc je me suis dit, allez, ça passe. Ça passe, je ne vais pas me tracasser, j'ai envie de le lire. Voilà, on va le mettre là-dedans.
D'abord, je fais ce que je veux. Hein. Du coup, Marion Brunet, j'ai déjà lu Dans la gueule du loup et Frangine. Frangine, qui est un de mes coups de cœur voilà, de tous les temps. J'ai adoré ce bouquin, vraiment. Vous voyez, quand on parle de, justement de bouquins qu'on n'a pas envie de finir, c'était un one-shot, mais j'avais pas envie de quitter les personnages. C'était vraiment dur de leur dire au revoir parce que je m'étais tellement attaché. Et bref, du coup, ce livre traîne depuis un petit moment dans ma pile à lire. Donc, je pense vraiment qu'il est temps de remédier à ça. Et donc la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Madeleine de Proust avec comme mot-clé poésie, art, classique, théâtre. Alors les mots-clés, comment vous dire que, bah voilà, j'en ai pas tenu compte parce que ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, Madeleine de Proust, c'est vraiment bah, la Madeleine de Proust, quoi. C'est le souvenir, c'est se remémorer son enfance, tout ça. Et donc, j'ai pris un bouquin qui, pour moi, voilà, qui a l'air tout mignon, tout cute, qui fait assez enfantin. C'est un manga, du coup, et c'est Le Renard et le Petit Tanuki de Mi Tagawa, édité chez Kiun dans leur collection Kidzuma. Régression, forcément, on fait appel à l'enfance. Il faut savoir que avant je n'aimais pas lire et la seule chose que j'arrivais à lire c'était des mangas, donc il y a aussi ce côté là vous voyez de je lis un manga pour cette sous-catégorie. Bref, je suis trop curieux de découvrir ce que ça va donner. Vous savez aussi que j'essaye toujours d'intégrer des petites lectures, des petits mangas comme ça dans le challenge parce que bah, ça aide quand même à avancer. Et pour le dernier menu de ce challenge, alors je vous avoue que j'ai galéré à trouver la prononciation, donc c'est vraiment japonais, on est à fond dedans là, donc c'est Hajia no Haru, donc en gros je crois que c'est une histoire de printemps, enfin en même temps on sait très bien qu'au Japon avec les cerisiers en fleurs tout ça, le printemps est très symbolique de ce pays. La première sous-catégorie c'est le shogun et l'empereur, donc ici les mots clés sont guerrier, royauté et aventure. Et donc quand je vous disais tout à l'heure qu'en ce moment j'avais des envies qui sont absolument pas dans mes habitudes, vous allez vraiment être surpris je pense par ce bouquin si vous me suivez depuis quelques temps parce que c'est je présente jamais ce genre de livre. Il s'agit de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Je suis désolé pour la prononciation. Alors pourquoi ce bouquin? Et bah franchement, si j'avais la réponse à cette question, si vous voulez, depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai vu, ce livre m'intrigue et je ne sais pas pourquoi. Et je lis le synopsis, je me dis non, c'est pas du tout mon genre, et je passe à la suite. Quelques temps après, je le revois et ah, à chaque fois, je sais pas pourquoi ce livre, il m'attire trop et du coup, bah, j'ai fini par l'acheter. Une chose qui me faisait peur, c'était le style, parce que bon, ça reste de la fantasy et je ne lis pas de fantasy et j'avais peur. Clairement, j'ai lu les premières pages et en fait, déjà, j'ai même pas eu à insister pour rentrer dans le truc. Ça se lit hyper facilement, c'est hyper fluide. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, franchement, Kevin, t'as rien à perdre, tente le coup. J'ai eu la chance de le trouver en brochet parce que je sais que, bon, c'est très bien qu'avec les deux sexy, c'est très compliqué de les avoir en brochet si on s'y prend pas tout de suite. En ce moment, je me surprends avec mes envies de lecture, mais bon, on n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Et autant tenter, puisqu'il me rend curieux depuis des mois et des mois, on va y aller et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Yokai, Tengu, Kitsune et autres créatures. Du coup, c'est créatures fantastiques, mythologie, etc. Alors, pour être tout à fait honnête, créatures et compagnie, j'en sais rien. Tout ce que je sais, là, c'est que le bouquin que je vais vous présenter, ça parle de magie. Au pire, si vraiment ça colle pas, je me rends compte que ça colle pas après lecture, je changerai, vous voyez, j'irai dans la grille, je vous disais qu'on peut switcher, j'irai dans la grille et je mettrai un autre titre pour cette sous-catégorie, comme ça je sais que ça fonctionnera. Bref, du coup, j'ai décidé de mettre La Maison au milieu de la mer de Céruléenne, de La Mer Céruléenne, tout court, de T.G. Clun, édité Kelune, je sais pas, franchement je sais pas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires parce que voilà, je sais que parfois ma prononciation laisse à désirer. Quand je lis le synopsis, en fait il me fait penser à Harry Potter, ministère de la jeunesse magique, toutes ces choses, une école, alors non c'est un internat magique je crois ou un truc comme ça. Ce qui me fait dire qu'il y a des créatures, c'est qu'on voit, il y a des nains, il y a un espèce de dragon, il y a des créatures, je sais pas trop ce que c'est, on dirait une nymphe là, ou un elfe, je sais pas, on verra, franchement je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et en fait pourquoi ça m'intrigue déjà parce que du coup ça me fait énormément penser à Harry Potter le synopsis et ensuite parce que bah, il est question de fantasy et de LGBT donc bah oui ok et ben bah, je veux découvrir ça. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire la fantasy je pense que typiquement ce format est fait pour moi et là encore j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment j'ai envie de, bah voilà vous voyez les deux de Saxus là j'ai envie que ce soit mes deux prochaines lectures. Et enfin
Pour la dernière sous-catégorie, c'est contempler les fleurs au mont Fuji. Donc là, c'est spiritualité, développement personnel et essai. Autant vous dire que je n'ai pas de livre. Enfin, si j'ai un livre en tête, si vous voulez, c'est Nos cœurs aidants qui va sortir au mois de mars, qui est de Celia Samba. Vous savez que Celia Samba a une place très chère dans mon cœur, puisqu'elle a écrit La rue qui nous sépare et que la rue. Enfin voilà, La rue qui nous sépare, je suis tellement fier de cette histoire que je. Celia, en plus, qui est quelqu'un d'adorable. Bref, elle va sortir son nouveau roman au mois de mars et clairement, je vais pas passer à côté. J'ai envie de le lire. Je pense que je vais le lire pendant le chat. Challenge, donc je pense qu'il entrera très bien de cette sous-catégorie, mais en attendant je l'ai pas sous la main et on sait très bien que quand je dis que je vais acheter un livre pour le lire pendant un challenge, je le fais pas, donc là j'ai assuré mes arrières et j'ai quand même pris un livre que j'ai dans la bibliothèque, c'est le tome 7 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, chez Pika Edition. Je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais comment vous dire qu'en fait, j'ai pas pris le temps de lire ce manga. Et pourquoi en fait je le mets dans cette sous-catégorie? Parce que le Mont Fuji c'est au Japon, qu'un manga c'est japonais, voilà, c'est tout. Aussi simple que ça, je me suis pas plus pris la tête que ça. Sachant que du coup, j'ai un petit peu freiné mes lectures aussi là-dedans, parce que pour l'instant il y a que jusqu'au tome 9 que c'est sorti, et j'ai beau regarder, mais en fait pour l'instant on n'a pas date de sortie du tome 10, et ça, ça me frustre un peu, parce que je me dis que si j'ai envie de lire du L'Atelier des sorciers et que j'en ai plus, je fais comment? Voilà, comment je fais? Bref, c'est encore une excuse à la con, hein, mais bref, voilà. Du coup, pour le tome 7, dans cette sous-catégorie et dans ce challenge. Et bah écoutez, c'était une très longue vidéo. Je trouve que j'ai beaucoup parlé. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra et que j'avais plein de choses à vous raconter. Si vous, vous faites ce challenge, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que clairement, il y a bien moins de personnes qui font ce challenge que par rapport aux autres. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous allez, grâce à moi, vous avez envie de participer. Non, je déconne. Je sais qu'en ce moment, il y a moins de monde sur la chaîne, mais. C'est pas bien grave, je vous avoue que je m'amuse aussi ailleurs, mais voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça, ça me fera toujours plaisir, sachez-le. Et il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !